Enlève ta main. Enlève ta main. Enlève ta main. T'es sérieux? Tout est gâté. Vraiment, c'est malheureux. C'est vraiment malheureux, la mère. Ça commence toujours comme ça. Et après, c'est la guerre. La guerre frappe une fois de plus le sol de notre continent. Monsieur Leblanc, tu parles même là de quelle guerre? La nuit dernière, la Russie a décidé de frapper l'Ukraine alors que l'Ukraine ne l'attaquait pas et ne la menaçait pas directement. Ah bon, hein? Vous me rendez dingue! Waouh, Valérie, c'est sérieux ce qu'on parle là. Calme-toi d'abord. Mais c'est chaud. Quoi? Je ne peux même pas expliquer. Ça va péter! C'est bien. Vous allez fuir. Allô? Vous attendez! Vous allez fuir. Le père continue. Je condamne sans réserve cet usage de la force et mes premières pensées vont aux populations victimes de ce conflit absurde et fratricide et à ceux de nos ressortissants qui se trouvent encore sur le territoire ukrainien. Non, c'est des soignants, je suis déçu. J'ai dit à président Macron, j'entends quoi? La Russie a engagé une attaque militaire massive contre l'Ukraine. Dégâts! Vous allez me voir avec les yeux. Et toi, le père, en tant qu'homme politique, selon toi, quels sont tes sentiments par rapport à cette situation? Mon devoir comme responsable politique français est de dire à quel point l'attaque russe contre l'Ukraine est insupportable. Ah bon? C'est très facile. Vraiment, ça nous met notre cœur mal au cœur. Nous tous, ça nous énerve. Et toi, présent Sarkozy, quelles sont tes impressions? La seule voie possible, la seule, c'est la diplomatie. Ah. Ça veut dire quoi, la diplomatie? Car l'alternative à la diplomatie, c'est la guerre totale. Ah. Soit la diplomatie, soit la guerre totale. Mais oui, c'est clair. Ça, c'est clair. Ah, ok. Et toi, président Hollande, tu as un mot à ça? Nous sommes dans une épreuve terrible, qui est une guerre en Ukraine. Face à cette menace, face à cet objectif que poursuit Vladimir Poutine, il faut que l'Europe, la France, l'Alliance Atlantique soient à la hauteur. Une erreur fatale. Ouais. L'Europe doit être à la hauteur, comment on plaisir. Et d'abord, d'élever le niveau des sanctions, c'est ce que j'ai dit. Bang, 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 bang. Wow, ma soeur, restez tranquille. Président, selon vous, comment faire pour sortir de cette guerre? Je considère qu'il faut encore renforcer les sanctions, et notamment les sanctions financières, ce qu'on appelle aussi le système de transactions monétaires, de manière à ce que la Russie, pas sa population, mais en tout cas son économie et ses dirigeants puissent être lourdement frappés par cette réponse. Voilà. Nous, on veut vraiment savoir ce qu'il cherche ou ce que veut le président Poutine. Poutine veut récupérer son pays. Ah bon? Médias occidentaux maudits. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Voilà, mon frère, tu es mieux placé pour nous éclaircir vraiment cette situation. Baissez d'un ton. Ah. Gouvernement occidentaux maudit, baissez d'un ton. Vraiment, petit frère, calme-toi. Waouh, petit frère, calme-toi, tu nous expliques. Soumis président africain, vous êtes qui ne savez choisir que japper ou lécher les fesses de l'Occident. Mon frère. Ah, ah. Ouais, monsieur le journaliste, arrête aussi de rire, non? Ouais, mon frère, s'il te plaît, raconte-nous un peu l'histoire. On nous présente Poutine comme le monstre. Oui, c'est ce que disent certains. Mais on oublie de nous rappeler que le pays qui a été détruit, qui a été déconstruit, qui a été découpé, qui a été divisé, à l'intérieur duquel on a monté les uns contre les autres, on a monté une partie d'un pays contre un autre. Là, il a... Waouh, mon frère, laisse comme ça, c'est quel pays? C'est l'Union soviétique qui a été détruite, dépecée, lors de l'effondrement du mur de Berlin. Mmh, yeah, yeah. Continue. De la même façon que notre continent africain a été détruit, dépecé et découpé lors de la conférence de Berlin, l'Union soviétique a été détruite, découpée, rabaissée, humiliée par l'Union européenne, excusez-moi le terme, en tout cas par les Occidentaux de manière générale, d'Europe, sous la direction évidemment de l'oligarchie des États-Unis. Ce n'est même pas possible! C'est impossible! Donc, c'est ça l'histoire alors? Dire le contraire serait de la malhonnêteté. Dire le contraire serait de l'ineptie. C'est vrai. Ah, donc s'il me fait comprendre, Poutine veut se venger. Et quand Poutine prévient les gens en disant que vous avez déjà détruit mon pays, l'Union soviétique, vous avez déjà humilié nos populations. Je sais que pour vous, slave, puisqu'on sait que esclave vient de la racine slave, puisque les premiers esclaves étaient les slaves, donc des Russes en tant que tels, je sais que pour l'oligarchie occidentale, les Russes sont des sous-hommes qui doivent se plier, d'où la destruction de l'Union soviétique, d'où l'arrogance occidentale vis-à-vis de la Russie. Voilà, mon frère, avant de continuer, je voulais rappeler rapidement à toutes ces personnes-là qui sont dans le besoin d'une formation professionnelle en stylisme, modélisme, haute couture, décoration événementielle,
esthétique, cosmétique et parfumerie, coiffure professionnelle. Le centre de formation Mandat Créa vous ouvre ses portes. Et je vous rappelle ici que les formateurs de ce centre ont au moins 25 ans d'expérience sur le terrain. Voilà, pour plus d'informations, contactez rapidement les contacts qui s'affichent au bas de cet écran. Et Mandat Créa est situé précisément à Yaoundé, Eldorado Nkomo. Ok. Ma soeur, que se passe-t-il réellement en Ukraine actuellement? Vu la vitesse à laquelle avance ce conflit, les choses ont certainement dû bien évoluer, en pire ou en bien. En tout cas, je l'espère. Mais bon, faut dire que jeudi passé, la situation avait quand même bien commencé à se gâter. En début de journée, un jardin d'enfants situé à Stanitsa Luganska avait été bombardé. Il n'y a pas eu de victimes, heureusement, mais les autorités ukrainiennes accusent les Russes qui, eux, leur renvoient la balle. Alors, franchement, c'est pitiable. C'est de la gâchis. Ouah, mon frère, pourquoi Poutine veut seulement tout gâter? Poutine a prévenu qu'il ne fallait pas que l'OTAN et que l'Occident continuent à narguer la Russie qu'ils ont déjà détruite en entourant les anciens pays qui faisaient partie de l'Union soviétique, en les intégrant et en leur donnant des armes pour menacer la Russie. Poutine a dit « Arrêtez ça, respectez-nous ». Et l'Ukraine a dit qu'il veut voir avec les yeux. Les Occidentaux n'ont jamais écouté Poutine. Ils vont l'éleur. Je te dis que... Voilà donc les retombées de la délinquance. Et maintenant que Poutine veut commencer à reconquérir les terres qu'on lui a volées, qu'on a volées à son pays, les terres qu'on a déstructurées, qu'on a déconstruites, vous le dites, Poutine, l'impérialisme, et vous, les gentils justiciers de l'Union européenne, vous, les gentils justiciers de l'Occident, des États-Unis, vous voulez nous faire croire à nous que c'est une guerre pour la justice, alors que vous êtes les premiers sur cette terre, comme l'a dit très brillamment le président Maduro du Venezuela, qui a apporté son soutien à Vladimir Poutine, alors que vous êtes les premiers sur cette terre à mettre la planète à feu et à sang. Vous comprenez dans la compréhension? Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si quelqu'un a une information ou bien quelque chose concernant cette guerre, qui vient nous laisser en commentaire? Nous voulons en savoir plus. Ok. Voilà, si la vidéo vous a intéressé, likez, partagez, abonnez-vous surtout à la chaîne pour ne plus rater nos publications. Cet épisode a été présenté par Vori TV, Le Compass Las Vegas, Mandat Créa et Easy Market. S'abonnez-vous. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.